super heureuse de te recevoir sur mon plateau. Merci pour l'honneur. Merci, ça me fait plaisir d'être ici. C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Chez qui Singila va signer son nouvel album? J'ai eu pas mal de propositions. Oui, j'ai entendu. Mais de toi à moi, j'ai décidé de signer chez JC Records. Non, mais c'est énorme ça! Mais ça, c'est le label qui signe en ce moment tous les gros artistes du moment. Dave, merci de ta confiance. Remercie Singila. C'est lui qui voulait à tout prix signer avec toi. Cool. C'était superbe. Ah, j'en ai. Bien joué, mon gars. Salut, Sin. C'est Aïcha. Écoute, je viens de te voir à la télé. Je suis à Abidjan. Retrouve-moi à 23h à l'adresse que je t'ai envoyée par texto. Tu vois le délire, geste de mouvement. Franchement, ça me tue ce truc-là. Oh, Sin, ça va ou quoi? T'as pas décroché un mot depuis qu'on est parti de la télé? T'inquiète pas, Dave, je suis juste un peu fatigué. Bon, les gars, je vais me coucher. Déjà? T'avais pas un son à me faire écouter? Sin! Mais qu'est-ce qu'il a, ton gars? Ouais, tu connais les artistes. Les artistes! Les artistes, encore. Oh, les filles, moi, je suis pas fatigué. On se pompe tout de suite ou pas? Ah non, c'est fini. Oh, viens. D'où c'est fini? Vous vous souvenez de... Un petit Aïcha. Ben c'est elle, et ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Ça m'a fait un choc quand je t'ai vu à la télé, tu sais. C'est moi qui suis choqué. Mais tu fais quoi, Abidjan? Tiens, c'est une histoire compliquée. On peut dire qu'en quelque sorte, je gère cet endroit. J'en suis même la propriétaire. Bravo! Elle en a fait du chemin, la petite Aïcha, depuis la cité. Comme toi, je me suis battue pour en arriver au succès. Le succès? Je croyais que ça te faisait peur, le succès. C'est bien à cause du mien que tu m'as quitté, non? Non. Tu m'as pas laissé le choix. Aucune femme ne t'a jamais remplacé, Aïcha. Un petit Aïcha, chaque fois que je te vois, j'hallucine. Ne la raconte pas, ne fais pas comme toutes tes copines. C'est quoi? Faudrait que ce soit... que ça reste mélancolique, tout en gardant un côté rythmé, tu vois? Ok. Non, elle est grave bien, la mélodie. Mais c'était grave inspiré. Mon gars, j'ai même les paroles. Premier couplet, refrain. C'est quoi, enregistre? Ce ne sont pas les mecs qui manquent, ma page va vite tourner. J'ai pas su être le prince charmant, fidèle à ses clichés. Je lui ai fait mal, elle n'a pas digéré ce qu'on appelle aimer. Ah, il est lourd ce son. Il va finir dans les top 3, c'est sûr. Bien joué. Ce serait cool, hein. Mais on a encore un peu de boulot tous les deux. En parlant de boulot, on doit aller au label pour rencontrer le Big Boss. Et signer ton contrat. Ah, j'aime quand tu parles comme ça. Ah. On y va. Yes, change-toi. Hein. La musique n'a pas d'embrouille, c'est que la chance te sourit. On reprend les yeux en garde si tu peux pas de soucis. La musique n'a pas d'embrouille.
qu'il y a de temps quand il y a de son. Oui. Je te demande si Lila, son manager vient. Salut les gars. Alors, bienvenue à GC Record. C'est moi qui m'occupe de ton album. Bon, il est où Franck? On a un contrat à signer. Là-haut. On y va, signe. Ok, allez, ils sont là. Monsieur Singh est là. Bon. Franck. Écoutez, les gars, je suis très heureux de vous voir. Mais là, j'ai une petite information à vous donner. Ah. Oui. Je viens d'avoir la maison mère et on a une réduction de budget sur tout le label. Et sur ton album ici. Une réduction? Mais une réduction de combien? Bah. 40%. 40%? Vous êtes sérieux, là? Écoute, Singh, c'est pas contre toi, là, hein. Ça vient de là-haut, et je n'ai plus la main. Bah, comptez pas sur moi pour signer avec vous. J'ai d'autres propositions, j'irai signer ailleurs. Singh, Dave, c'est pas carré, Franck, arrête. Franck, c'est Singh, quand même. À moi de m'adapter à leurs oreilles. Je fais mon kiff et mon style sans pareil. Investis pas mon style, même si je de l'oseille. De me la faire à l'envers. Ah. Pour un max de cash avec les plus gros artistes, ils ont pas de budget, ça tient pas la route. Ah. Bah écoute, de toute façon, on s'en fiche. Hein. Essaie de crever ce mec-là. Ouais. T'auras peut-être un meilleur deal dans un autre label. Ouais, mais je voulais vraiment signer avec le meilleur label en Afrique. Oh. Regarde les gars. Ok. Ok. C'est bon, vous avez fini de jouer les pinces? Oh, Sine, toi aussi. Je suis désolé, frère. C'est pas contre toi, frérot. Mais j'ai annoncé en direct à la télé qu'il signait avec vous. Je passe pour quoi, moi, là? Je sais, si. Je sais. Écoute, passe à la maison pour manger. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ok, j'arrive. Les gars. Ouais. Ok. Ok, signe. Signe. C'est pour toi, ça. Dada. Ah, allez, t'es bon, toi. Attends, on était en négo pendant 2 mois et là tu changes le deal à la dernière minute. Eh, c'est simple, hein. Soit tu honores le contrat, soit tu verras l'album de Singh Lila sous le nom d'un autre label. Ok, ok. Je suspends 2 projets, je récupère le budget, d'accord? Ce qui veut dire? Bah, ça veut dire qu'on reste sur le contrat initial, sans ponction financière. Écoutez les gars, je veux vous voir signer immédiatement. Merci Franck. On passe après la radio. Eh, prépare des beaux forts bien fraîches. Ouais. On en a tous besoin. Allez, bonne soirée, les gars. Bonne soirée, Franck. On a le style. Ouais. Et oui, va. Ah, j'adore quand t'es comme ça. Et tu les as pliés. Oh, oui, comment tu as assassiné, tu... Non, mais fallait. Salut, moi. Salut, les gars. Ça va? Hein? Franck m'a appelé. Il m'a dit que tout était réglé. Ouais, on va signer. Ah, je suis super content, si. On pourra maintenant se concentrer sur l'album. À fond. Yeah. Alors, c'est quoi le truc important que tu voulais me dire? Alors, Shin. En fait, j'ai trouvé la femme de ma vie. Non, si. T'es sérieux, toi? Ah, je suis sérieux, les gars. Je suis sérieux. Quand tu la verras, tu comprendras. Ok, vas-y. Je suis impatient de la voir. T'inquiète, bro. Salut, bébé. Ça va, chérie? Choisis ma nature, je suis toujours dans les problèmes. Je kiffe tous les avantages. Hey, mais si, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content de signer un nouveau contrat ou quoi? C'est pas le contrat le problème. C'est quoi le problème? J'ai vu une meuf compliquée, mon gars. Qui ça? Aïcha. Attends. Notre Aïcha du quartier, là? Ouais, elle vit ici maintenant. Et on a passé la nuit ensemble. Mais attends, plus sérieusement, tu rencontres ton ex, passer la nuit ensemble? Ben écoute, c'est plutôt cool, non? Hein? Sauf que j'ai appris de la bouche d'Oumar qu'ils allaient se marier. Oh. Aïe. Tu vois mieux maintenant? Ça devient un peu chaud, là. Hé, hey, Sid, regarde-moi. T'as conscience que ça va nous poser des problèmes? Ben, elle m'a pas dit qu'elle allait se marier avec lui. Tu sais quoi, j'en ai marre.
Je vais aller voir Omar, je vais tout lui raconter. Non, 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 tu vas nulle part. Sinon, tu vas perdre ton amitié avec Omar et le deal par la même occasion. C'est elle ? C'est elle ? Elle veut me voir. Super ! Non, pas super. Cool ! Non, pas cool aussi. T'y vas et tu mets un point final. Sinon, c'est ta carrière qui est finie ici. Vous, là ? Dave ! Ça me saoule tout ça, là ! Écoute, vas-y. Fonce. Vas-y, mec. Fonce. Ok ? Eh, hey, dans quel embrouille t'es en train de me mettre là ? On peut parler dans un endroit plus tranquille, tu veux ? La première chose que t'aurais dû me dire, c'est que t'étais avec quelqu'un et que c'est mon pote. Je sais, j'ai eu tort. Bah pourquoi t'as fait ça alors ? Parce que j'ai encore des sentiments pour toi. Et je sais pas si j'aime encore assez Omar pour l'épouser. Dans ce cas, débarrasse-toi de lui. Comme tu l'as fait avec moi. T'as déjà oublié pourquoi je t'ai quitté ? Tes absences, tes groupies, ton succès qui te rendait imprévisible. Eh, hey, je t'ai toujours dit que la vie d'artiste était compliquée, hein. Aïcha. Aïcha. Je t'ai toujours aimé, moi. L'amour, c'est pas que des mots, Singila. C'est aussi des actes. À défaut de souffrir seule en silence, j'ai préféré partir. T'es l'homme de ma vie. Singila, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote un peu sympa, un peu drôle qui t'est déjà arrivée ? Ok, alors j'étais avec des potes, on voulait en découdre, on voulait aller en soirée. Okay. Et parmi mes potes, il y a une célébrité. Ah oui ? Ouais, je préfère taire son nom. Oh non ! Non, non, il va me tomber dessus. Et donc on arrive devant la boîte de nuit, et on se fait recal. Et là j'entends mon ami, la célébrité, qui se met à chanter. Mais non. Je te promets, il voulait qu'on le reconnaisse. Sauf que les videurs ne l'ont pas reconnu, mais les gens autour nous l'ont reconnu. Ah, merde. Ah ouais. Ah, on est bien là. On est bien, on est partout, mon frère. Télé, radio, on est partout. Ouais, on est partout. Truc de dingue. Eh, tu peux m'expliquer c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui t'a envoyé cette photo ? Je sais pas, numéro inconnu. Waouh, c'est un délire. Ouais, c'est un délire là. Tu devais régler cette histoire et tu fais tout le contraire. Ouais, c'est pas du tout ce que tu penses. Ah ouais ? Vas-y, explique-moi, je t'écoute. J'ai été la voir. Elle a essayé de m'embrasser, je me suis cassé. Voilà, c'est tout, y'a rien. C'est Omar. Il veut qu'on passe le voir. Ouais, bah il a dû recevoir la photo, c'est sûr. Il a dû recevoir la photo, c'est sûr. On fait quoi maintenant ? C'est quoi ? On va le voir tous les deux. Je vais lui dire la vérité. Ah si, je voulais te voir. Je sais ce que tu vas me dire. Ah ouais. Je sais ce que tu vas me dire. Alors t'acceptes d'être le témoin de mon mariage ? Oui. Je comprends pas. T'as déjà fait ta demande ? Elle a accepté ? Attends, bien sûr. Il est sérieux, la Signe. Non, non, il est pas sérieux. On est content pour toi, Omar. Hein, Signe, on est content pour lui. Ah, bien sûr, c'est cool. C'est cool, Omar. Ok, je vais me chercher des bières. Vas-y. J'avoue que j'ai déconné alors que toi t'étais trop bien. J'ai insisté, je me suis incrusté dans ton quotidien. J'ai tchatché comme le diable, je te suis. Ah, j'ai quelques percus pour être plus de rouge. Ouais, ouais. Tu as fait mal, elle n'a pas digéré ce qu'on appelle aimer. Et c'est pas ça, vous allô, je suis la bille de là-bas encore. Qui ça? J'aime pas les cris, je veux la paix des ménages. Bah, dis-lui que j'arrive. Lorsque c'est moi qui avais tort, je maintenais la nuit à faire passer l'orage. Aujourd'hui. Gagie. Je
Je te laisse, je reviens. Yo. Tu me fais confiance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fout là? Tu gardes ton calme. Elle est juste venue te parler. C'est le moment de régler tes histoires une bonne fois pour toutes. Ouais, t'as raison. Écoute, quand je t'ai vu à la télé, j'ai hésité avant de t'appeler. Ensuite, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour moi pour me racheter. Et j'ai pensé qu'on pourrait se donner une nouvelle chance. Tous les deux. Écoute, je sais que j'ai dit oui à Omar. Mais au fond de moi, c'est toi que j'aime. Je te cache pas que... je suis un peu perdue. Je suis pas le genre de mec qui volera la femme d'un frère. C'est fini, Aïcha. Bien. J'ai compris. Je t'embêterai plus. Bonne chance, Célia. Bon, stop. En vrai, je vous ai pas tout dit. J'ai pensé qu'on pourrait se donner une nouvelle chance. Écoute, je sais que j'ai dit oui à Omar. Mais au fond de moi, c'est toi que j'aime. Je suis pas le genre de mec qui volera la femme d'un frère. C'est fini, Aïcha. Eh ouais. Omar avait tout entendu. J'avais lancé l'appel pour qu'il sache la vérité, mais malgré ça, il m'en a voulu. J'ai quand même signé le contrat pour mon nouvel album. Aïcha et Omar se sont séparés. Quant à moi, je crois que je suis encore bien amoureux d'elle. Elle dit que je suis un faux gars. Qui a envoyé la photo ?